Ouais, écoutez cette histoire. Oh oui. Elle s'appelle La femme sans tête. Connaissez-vous ce phénomène qui relève de la géométrie et de la physique des corps? Connaissez-vous cette singularité qui empêche aux voyeurs de reluquer le visage d'une femme? Ce phénomène s'appelle la femme sans tête. Vous êtes dans la rue, vous marchez, partagez cette habitude locale à croiser le regard des gens. Celui des femmes, en ce qui vous concerne, qui marchent à votre rencontre. Séduction ou reconnaissance, le fait est que les regards se croisent pour une fraction de seconde, avec ou sans sourire. Seulement voilà, parfois, et j'ai expérimenté cette manifestation plus que ma main compte de doigts. Il arrive que cette femme, sur le trottoir d'en face, peut-être marchant précisément à la même allure que vous, en sens opposé, se trouve exactement dans l'axe d'un arbre qui empêche de voir son visage. Elle marche très exactement dans l'axe où un arbre empêche de voir son visage. Remarquez sa robe à pois. Une jambe est lancée ou sa longue chevelure blonde, sa longue chevelure rousse, sa longue chevelure brune. Oh! Vous vous apprêtez à l'émerveillement en découvrant son regard. Mais non, 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 non. L'aube à l'aurore de cette rencontre, c'est une éclipse faciale. Vous ne verrez jamais cet astre dont la course est cachée par un platane.